Je tiens à dire que c'est l'épisode 9 et qu'on est au même live que l'épisode 4. On a fait le plus simple, on fait le plus dur, on terminera par le mitigé. Après. J'ai pas envie. 4 heures de live. Ouais. Oh, c'est celui-là. C'est juste que Luna aime bien son boulot. Oui. Et qu'il y a des gens surtout, parce que franchement, si j'avais eu personne, j'aurais pas fait aussi longtemps. Hein. Bon, on va prendre ça quand même. Le retour du Zescounter. Y'a pas une key pour faire des titres de films. Le Zescounter de l'étoile, tu peux le faire si tu veux, mais j'ai pas le... Le Zescounter général, il est trop gros. Hein. Je le ferai moi-même, d'accord. Zescounter 1, comment ça 1? Tu le sors d'où ton 1? Oh non. Je suis pas morte sur cette étoile encore. D'où tu sors ton 1? Je prédis. Tu m'offres quoi si je la finis là? Oh non! C'est écrit que j'allais pouvoir faire strike. Ça aurait été tellement beau. Et avouez quand même, pour une première run, c'était fantastique. Faut dire que quand même, pour une première run, c'était magistral. Déjà, je m'attendais à tomber ici. Comme ça, moi, presque. Je sors de là, mais ouais, c'était beau. Discounter de... Arrête de prévoir. On dirait que j'ai une mort en trop, là. Je me tords le poignet. Est-ce que vous pensez que quelqu'un est déjà parti trop loin sur les bords et est déjà tombé dans le vide ici? Sur le truc à pièces. Oh, elle est Goomba, c'est... Oh non, quel dommage! Mais non! Totalement. Quoi, Goomba? Oh, il y avait un Goomba! Mon dieu. Et la musique. Oh non, il faut attendre ça. Oh non, non, mais c'est trop nul. Et là, on est stable. Wouhou! Ah! Au final, ce sera peut-être celui de la bulle, le pire, hein. Parce que c'est dès qu'ils... Ils ont que des 4 sur toute leur face, ils sont trop nuls. Il est pipé, ton dé? Non, de quoi tu parles? Je sais pas, mais je prédis que tu vas essayer de faire un 4. Oh. C'est même pas un bon chiffre, en plus.
Parce que je crois que celui de la bulle, je viens d'avoir un flashback de celui de la bulle. Je veux désormais décéder rapidement, s'il vous plaît. Jojo référence. Ah bon? Ne fais pas les Jojo références, personne ne les a ici. T'achètes des CD pas cher? Quoi? Quoi? Ouais, c'est bien le terrain auquel je pensais. C'est bien le terrain auquel je pensais. Un personnage, il est horreur du 4, il dit que ça porte malchance. T'as dit que tu voulais des CD. Ah! Ah oui, 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 je veux totalement des CD. Mais je crois qu'en Chine, quelque chose de populaire dit que le chiffre 4 porte malheur parce que c'est rapport au quatrième ton des caractères. J'avais entendu une explication complète, je l'ai oublié. Au Japon aussi, ça veut dire mort le chiffre 4. Ah! Bon bah voilà, c'est bien, vous êtes raccord, c'est cool. Oh ah, Alors Tsun qui sait ce que veut dire l'expression coréenne que je sors souvent sans faire exprès, qui est Tinta, ça pourrait se traduire par Oh really en anglais. Tsun, tu vas t'amuser, hein, parce que je la... Maintenant que j'ai un micro qui capte les petits chuchotements que je fais, je la place souvent. D'ailleurs, je crois pas vous avoir demandé, mais du coup, est-ce que le stream, vous l'avez bien en 720p, maintenant que j'ai réussi à fixer ce problème zébarvé? Descounter 1. T'as déjà demandé, oui. Ah, bah j'avais pas vu. Et après, je vais vous dire, ah, mais pourquoi vous m'avez pas appelé, c'est trop méchant. Et vous allez me dire, mais parce que t'aurais tout gâché et j'aurais fait, mais non, c'est pas vrai, c'est trop méchant. Et 3 secondes après, j'aurais fait, en fait, oui. J'aurais fait, ah, peut-être. Ah, en fait, attends. Repense un peu. Ah, peut-être. La difficulté de ce parcours de la bulle ne réside pas tant dans le circuit, mais plutôt dans le fait que ce soit très long. On dirait un flood avec une tête étoilée. C'est un klaxon. Mais réside plutôt dans le fait qu'il soit extrêmement long et qu'il n'y ait pas de checkpoint. Sachant que une fois qu'on aura l'anneau étoile pour partir, ce n'est pas terminé. Oui, vas-y, oui, oui. Ah non, tu vas pas t'y remettre, hein. Enko, quote, oui, pour le troll, souvent. Ou il le faisait souvent, j'aimerais bien qu'il le refasse pas. Wait. But. Alors, non, j'allais le prendre, mais j'avais oublié que... Il faut peut-être que j'aille chercher le morceau d'étoile. Non, vous... Surtout à cause de Paul. Moi, à cause de Pollock, j'ai envie d'installer sur mon ordi Windows 98. Les flottes de feu. À quand Windows 20? Hé hey! Tu reprends pas mes statuts de quand je vais mal, s'il te plaît? Parce que cet après-midi, j'étais démoralisé, du coup, sur Discord, je voulais pas mettre un statut démoralisé, du coup, j'ai mis, pour le troll, à quand Windows 20? Enfin, c'est quand Windows 20? Pardon, non mais je plaisante. Alors, j'ai pas d'emote not like this, mais j'en pense pas moins, d'accord? Si un NFT dénonce. Et ma SX n'est pas un même. Mais là, techniquement, il faudrait que j'aille au fond. Et que j'atteigne l'anneau étoile, mais pourquoi je fais pas demi-tour pour aller chercher le tuyau?
Bon, on va faire ça bien. Ils vont pas comprendre les gens de YouTube. Oh, même les gens de Twitch. Hein. Alors, je sais pas si ici il y a un checkpoint. J'espère. Mais je crois pas. Non, je crois que ça, c'est un souffleur de bulles. Ah non, pas trop, pas trop, pas trop. Allez, mais c'est insupportable! Quoi? Quoi? Je suis là, là. Dans le rebord, là. Pitié, faites un clip. Pitié, faites un clip de ça. Ah, c'est fantastique. Oh oui, il y a un checkpoint, c'est bon. Et... Non, c'est pas dans le chat, mais... Il y a quelque part sur le lecteur Twitch un bouton avec un clap vidéo et vous pouvez clip. Et bon, actuellement, là, vous devriez sûrement revenir un peu en arrière, mais... là, j'ai pas touché, là! Oh, il est horrible! Mais je passe vite, donc elles vont se prendre des grillages. Hein, elles vont prendre des grillages, hein! Ils sont hyper méchants d'avoir mis le truc qui bloque à la fin, devant l'étoile. C'est hyper méchant d'avoir fait ça. C'est bon, cool. On a fait les trois épreuves. Ah bah là, sauvegarde. Là, tu sauvegardes. Je savais pas comment les nommer. Du feu. How much time? Oh, largement faisable. Même en hard mode. Il suffit que j'évite de faire n'importe quoi ici, n'est-ce pas? Non mais. Tu peux pas sauter en fait, quand... même si t'es en easy time. Très bien, Tsun, bonne nuit, merci de passer. Et ben on fait deux comètes à la fois. C'est faux. C'est largement faisable. Plus de deux fois ici. Parfait.
J'avais dit qu'on évitait de s'y reprendre plus de fois. Quoi? Bon, au moins il est ouvert. Au moins il est ouvert. Pourquoi diable les étoiles que j'ai réussi hyper bien du premier coup avec les comètes, je les fais trop mal. Et pourquoi est-ce que j'ai réussi d'un coup les comètes compliquées? Je vais devoir me dépêcher sur la partie là-bas. Bah là, maintenant, c'est le stress, oui c'est le stress. J'ai 2 minutes pour faire un truc qui se fait pas en 2 minutes. Ils ont enlevé les ennemis! Je m'attendais à ce qu'en hard mode, il y ait encore les ennemis. Non mais alors, attends. Si c'est que de la plateforme... C'est de la plateforme pure et un niveau que je connais, j'ai aucune raison de me rater. Ouais, là, par contre, là, alors si la caméra elle change d'angle toutes les... à chaque fois que je fais un mouvement, ça va pas être possible. Mince, non. Non. Oh. Mais il est super loin le chrono, t'entends même pas, tu l'entends même pas s'accélérer. Ah, oh, j'ai raté mon triple saut, j'ai stressé. Oh, la panique. Merci. Facile, non. C'est une étoile de Luigi qui manque, c'est pas possible. Il n'y a pas deux étoiles. Wait. What? Donc j'avais raison, il y a une zone avec des billboles, etc. Galaxie interminable. C'est vrai que je l'aime bien, mais ça doit être une des plus longues. En termes de temps, si tu cumules le temps que tu passes sur chaque étoile. Voilà, il y a un truc avec des billboles sur la gauche. Oh. Ah, c'est bon. Attendez. Là-bas, il faut y aller. Mais du coup, ça veut dire que dans cette galaxie, il y a 2 étoiles secrètes. Faut que je me demande sur chaque galaxie ce qui est faisable. Ah, ben voilà. Quand je suis arrivé sur cette planète la première fois, ce truc était en train de s'enfoncer dans le sable, du coup j'ai pas réussi à le taper. Et je ne l'ai pas retapé après parce que je me disais que ça devait donner des pièces.
Ah mince, je suis pas dedans. T'as vu la tête de la gueule? Oui, oui. C'est une grande map. Open World Mario. Oh wait. Ah ouf. Ok. Ah l'étoile est là. Ça me semble facile. Ça me semble simple mais compliqué ce qu'on me demande. Dans le sens où c'est pas compliqué à comprendre, à exécuter beaucoup plus. En fait, il faut que je time mon truc super bien. Mince. Bon, je suis en haut, ça devrait le faire. Il faut que j'amène une bilbo en bas, en fait. C'est aussi simple que ça. Oh, mais genre, la collision m'a... Leur collision m'a poussé. Mais il me voit pas. Oh, t'es trop basse. Bah ouais, là j'étais trop haute. Là, si je fais un saut sur le côté. Bon, bah non plus maintenant alors. J'étais en mode, une bilboule peut me voir du dessous et... Parce que bizarrement, dans les autres niveaux, les bilboules te voient super bien. J'en étais sûr. Il faut, en fait, il faut que te... Ouais. J'ai cru qu'elle allait pas venir dessus. Ah, t'es sérieux? Ils avaient besoin de la mettre en haut. Cette galaxie de l'infini. Et c'est même pas galaxie complète. Wait, l'usine de matière noire, c'est ici? C'est pas dans le 2? Alors peut-être qu'elle est 4 directions dans le 1. Ah! Bon, cette galaxie, je la connais très bien, mais je croyais qu'elle était dans le 2. Donc il y avait bien les 4 directions dans le 1? Sinon, ça fait depuis le début du let's play qu'on se pose cette question. Je te l'avais dit. Ah bon? Moi je sais plus. On a tellement dit, on a dit tellement de choses sur ce sujet. Enfin à ce sujet. Ouh.
Comment on n'arrête pas de débattre sur ça depuis le début? Bah on a la réponse maintenant. Et si Yoshi dans le 1? Non mais alors ça... J'avais connu un jeu de plateforme, je sais plus ce que c'est, où il y avait des trous comme là, donc c'était soit les plateformes qui se déplaçaient, soit les trous. Et en fait, tu ne tombais pas dans le trou, tu tombais dans ce que le trou affichait. C'est-à-dire que là, vous voyez, sur la plateforme où il y avait le Luma, il y avait un des trous avec la perspective, il affichait le vide du décor. Alors que techniquement, si on tombait dans la plateforme qui était en dessous. Et ben dans le jeu en question, on serait tombé sur le vide du décor. C'était très vicieux. Faire jouer certains éléments sur la perspective, mais pas tout. Ça me dit un truc. Moi, je sais plus le nom du jeu, mais je crois que je suis pas sûr d'avoir joué au fait. Je crois que c'est un jeu que j'avais vu. Oh, ce sauvetage. La croix directionnelle. Ah non, c'est bon, je me souviens de ce dont je me rappelle. Dans Mario Galaxy 2, il y a une galaxie qui ressemble à ça, avec un endroit qui ressemble à ça. La fin ressemble à cette zone avec... ça forme un... J'ai pas anticipé ça. La fin ressemble à cette zone, sauf que les quatre directions forment un carré et l'étoile est au centre. Et c'est un enfer pour attraper l'étoile. La facile, ouais. On peut jouer Luigi dans le 2, je m'en souviens plus, mais si on peut, ça doit être bien plus facile. Je sais plus si on peut jouer Luigi dans le 2, ce qui est sûr, c'est qu'il y a les étoiles vertes. Je n'ai plus le contexte des étoiles vertes. Si on peut jouer Luigi dans le 2, le Luigi ne doit pas faire office de hard mode. Parce que là, du coup, bien que ce ne soit pas un hard mode qui modifie tout, jouer avec Luigi dans Mario Galaxy 1, c'est quand même le hard mode de Mario Galaxy 1. Emprunte les escaliers. Non, non, je vais faire un triple saut. Dans la merde, je du coup, c'est moche. Oui, ça doit être ça, oui. Tu es bien mon ennemi juré, Luigi. Non, pas tellement. Non, pas tellement. C'est vrai qu'il secoue ses poings maintenant. Elles sont devenues vertes de jalousie, ou alors les étoiles c'est comme des bananes et du coup les vertes elles sont pas mûres. Justement, je disais que j'avais pris le contexte des... Oh, le contexte des étoiles vertes. Dans le 1, ce sont trois lumas verts qui sont les gardiens des galaxies des épreuves qui ont mis leur pouvoir à l'intérieur en attendant que... Mario vient les chercher sur sa quête, enfin sur le passage de sa quête. Mais dans le 2, je ne sais plus. Mais fais ton saut là. Fais ton greu, Bowser. Et il va pas sauter, hein. Ah merci. Bowser il copie le spin. Ah hein. Il copie le spin.
Le smith qu'on fait. Ah oui. Oui, un peu. C'est vrai qu'en réalité, on a déjà beaucoup plus que 60 étoiles, mais on n'a pas accès au cœur de l'univers parce qu'il faut qu'on finisse la salle des machines. Le grenier est un don bonus. J'avais oublié le détail du grenier qui est un don bonus. Je voulais voir si la grande étoile avait une collision. Pourquoi l'étoile qui présente la terrasse sur le cercle est illuminée plus que les autres? Ah si! Attends quoi? On peut aller à la fin? On peut aller à la fin avec le... Ah non, en fait c'est tous. C'est tous avec la couleur du dôme. On peut aller à la fin après la chambre. Je pense pas que les étoiles soient faites pour les... pour l'astronef. Je pense que le... Je pense que... Comment ? Je pense que Harmony réussit à utiliser les étoiles pour... Merci. Pour... Mais c'est terrible parce que je croyais que c'était que quand on lançait le jeu, ça. Le hard mode n'est plus si hard au final. Ouais. Ouais, merci bien. Hein. Bon, alors du coup, alors comme il y a un téléporteur peut-être qui veut pas. C'est vrai qu'ici tu peux avoir l'overview. Ah, il veut toujours pas. Oh. Elle est trop forte à mon nid, elle sait faire tout ça, créer un astronef à partir de rien quand elle avait 6 ans. Ah bah... J'ai cru que le Luma avait dit ici c'est ma chambre et qu'il, qu'il avait une chambre pour lui tout seul. Alors. Oh, ah, non, un, ouais, mais. Oh. Oh. Oh non, oh non. Je voulais l'éviter un peu. Bon. Ça serait trop triste.